Yo les amis, bienvenue sur Skyrim Berserker. J'adore faire ces débuts d'intro. Allez, du coup, par rapport au précédent épisode, qu'est-ce qu'il y a eu? On était dans une sorte de terre, où il y a un mec qui se faisait passer pour un fantôme, qui est devenu à moitié fou, et qui a parlé d'une griffe. Alors moi, la seule griffe que je connais, c'est la griffe en or qui est à Rivebois. Mais on m'a dit d'aller faire un tour à Vendôme. Donc je pense qu'en Vendôme, on va me dire, il faut que vous allez à Rivebois. Un truc du genre. Mais si j'aurais pas été à Rivebois avant, ça m'aurait demandé. D'accord. C'est une suite logique de trucs, c'est juste que j'ai pas pris l'ordre comme il faut. Du coup, on n'a pas de... Tiens, attendez, il y a l'air d'avoir quelque chose ici. Ouais, prévenir le mec, l'autre, voilà, il se faisait passer pour un fantôme. Oui, si le jeu veut bien me laisser jouer, c'est bon. Vous ne ressemblez pas à un pèlerin. Pourquoi nous ne voyons pas beaucoup de visiteurs par ici, sauf ceux qui se rendent au regard. Écoutez l'ami, j'ai trouvé ceci à l'intérieur du tertre, et ce n'était pas un fantôme. Tenez, regardez ça. Les hommes du Jarl sont venus et ont laissé cet avis de recherche. D'accord. Vous n'avez pas répondu à ma question. Faites-moi voir ça. Je n'arrive pas à y croire. Tout ça n'était qu'une invention de ce Vindelius. Comment avons-nous pu être si stupides? Vous avez pris soin de... Je ne répondrai pas. Des choses et vous offrir quelque chose. Si vous n'acceptez pas cette récompense, voyez-la comme un cadeau. Écoutez. Attendez une minute. Ce que vous m'avez donné, c'est ce que le mec cherchait. Si vous montez au monastère, attention à ne pas tomber. C'est très haut. Qu'est-ce que vous voulez? Je l'ai revu. J'hallucine. C'était bien l'aubergiste qui l'avait. Le mec avait raison dans son journal. Dépêche-toi. Allez, arrête de laguer. Alors pourquoi il m'a dit d'aller à Vendôme? J'ai pas trop compris. Et un avis de recherche pour un bandit, donc ça on verra ça plus tard. C'était par où? C'était par là, ensuite c'était où? C'était là, et ensuite c'était à droite. Bon, alors, divers. Attendez, je vois pas beaucoup. Un phalène. Un hibou et un loup. Un phalène, un hibou et un loup. C'était pas une griffe, hein, non. Il y a plusieurs griffes. On a vu des drogues plusieurs fois dans le passé, donc on sait à peu près ce qui nous attend. Ok. Ça sent le piège un plein nez.
D'accord. Alors, observons un peu ce qui nous entoure. Nous avons des tombes, je sais pas pourquoi les mecs vont se relever. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est un endroit qui n'a jamais été découvert et on a encore des cendres. Et là, il y a quelque chose là. Je sais pas comment on fait pour l'ouvrir. Faust, non. Non, ça ne marche pas. Ok. Bon, il doit y avoir un truc. What? Putain, je m'en doutais que c'était un piège. Ah, dégage. Ok, ok, ok. Ok. Il y en a un là. Bordel, c'est quoi ça? Bon, vite, vite. Allez. Un drogue infernal. Allez, tombe. Heureusement que j'ai de la portée. Heureusement que j'ai de la portée avec cette clé. H-drogue affûté. Ah putain, je fais comment pour sortir maintenant? Ah bah ça s'est ouvert. Une grille avec de l'eau. Wow! Je peux l'atteindre ça ou pas? J'entends des créatures. Ah, tiens! Je commence à souffrir un peu, on va se soigner. Ok. On est reparti. Putain, il y avait des pièges. Je suis dedans les gars, je suis dans l'ambiance. Alors. Oh la vache. Ok. Vite. Toi tu vas me servir. Ne descends pas, tu vas cramer. Et là, d'une rapidité incroyable, Yogin Rodigan, sa Dragon Slayer. C'était nombreux, hein. Où est-ce qu'on est, bordel de merde? C'est quoi ce délire? Il y en a encore un qui a survécu. Toi, t'as pas de bol. Toi, je le dis, t'as pas de bol. Oh! Ok, tu veux jouer à ça? Voilà, dodo. Joli, Lydia. Oh mon dieu, est-ce que tu es ma femme? Malgré que nous n'avons encore rien fait, ça ne saurait tarder. bon. Ok. Oh, j'aime pas quand c'est tout là. Eh, attendez, je vais pouvoir tester mon nouveau truc. Pouvoir. Pouvoir danser cri, impulsion. Oh merde, attends. Toi tu dors. Ok, on retourne en cri au cas où déferlement. Wow, ok, viens de l'ouvrir le piège. Attends, viens par là mon coco, viens par là.
Ah bah oui, t'es tombé dans le piège, pas date. Viens ici, toi. Ferme ta bouche. J'ai senti comme un froid entre nous. Non ? Clé du tertre. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors là, il y a un truc. Eh ben, c'est impeccable, il nous l'a ouvert. À mon avis, ça a peut-être à voir avec ça. On va voir. Serpent. Une baleine. Un aigle. Un serpent. Et une baleine. Alors attendez, une baleine. Une baleine, un aigle, un serpent, une baleine. Une baleine, un serpent. Non, un aigle, un serpent, une baleine. C'était ça. Une hache de humeur ici. Aouh. Putain, j'ai souffert. J'ai souffert, sa race. Vite. Ok. D'accord. Ok, donc Lydia qui utilise le feu. Ça a pas l'air de faire grand chose. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, Lydia. Depuis quand on utilise de la magie? Ok, il y avait un piège ici. Gemme spirituelle. Voilà. On va utiliser nos talents. C'est pas à gauche. Ah, presque. Alors, je m'en doutais qu'il y avait une sorte de piège comme ça. Un lingot d'or. On va pas cracher dessus. Et n'empêche à faire les autres. Les autres donjons à tomber sur les pièges et tout, c'est affolant comme on apprend vite. Hein. On se fait pas avoir une deuxième fois. Un arc long. Très fond de voilâtre. Oui, R2D2. Ok, rien d'intéressant. Hop. Waouh, c'est immense. Alors. Ça ne me dit rien qui vaille. On est d'accord, hein, on est d'accord. Là, y'a rien. Dépêche-toi. Pas leur laisser le temps de se lever. Y'en a d'autres? Ouais, là. Ah merde, Lydia! Bon. Merde. Putain. Allez.
Toi, je vais m'occuper de toi. Ah, je peux pas passer. J'ai pied ici. Voilà. Parfait. Il y en a encore. Ça, c'était magnifique. Fiche-toi. Il y en a encore. Putain. Faut que je les prenne de court. Ferme-la. Oh putain. Faut que je les empêche d'être plus nombreux que moi. Allez, c'est bon. Putain, il y en a encore. Oh putain. Presque couché. Grenade parfait. La santé et la vigueur de la cible subit 10 points de glace. Ah, je suis trop lourd, c'est ça le problème. Putain, ouais, pour me faire de l'argent en ce moment, c'est chaud quoi. Putain, c'est pas possible. Bon, après, je dis ça, je suis pété de thunes. Bon, alors. Je sais pas pourquoi il y avait ça là. Est-ce qu'on en savoir un petit peu plus? Je suis dedans les gars, je suis dedans, je sais pas si j'ai partagé le même enthousiasme que moi, mais je suis dedans les gars. Alors, là, il y a un piège. Il y a un piège. Par contre, comment on le... Là, c'est bon, ok. Ça va, c'est tout simple, c'est une sirop toute simple. Et j'ai réussi à péter quand même un crochet. Comme quoi, des fois, c'est les plus simples qu'on sait avoir. Bouclier de MR, bon, après voilà, je dis que j'arrive pas à me faire de l'argent, j'arrive à en avoir quand même. Ça commence à être payant de venir là quoi. Une bourse. Armure d'acier. Potion. Oui, je dis oui. Mais oui, oui. Je connais ce bruit. Ok, j'ai appris un nouveau mot. Oh, il y a des choses là-bas. Alors, attendez. Cri. Impulsion, ça devrait marcher normalement. Wood. Impeccable. Prendre espadon elfique. Magistral, de l'argent. Il y a les péquets là, mais ça va trop m'alourdir. Je peux sauter là ou pas? Rien en dessous. Ok. C'était un mot de pouvoir en fait qui était caché. D'accord. Ok, ça me va. Ça me va. Et là on est où? J'ai tapé dans quelque chose. Un marteau de fer, ok, d'accord, ok, ça me va. D'accord, ah bah vous voyez, je l'avais dit.
l'avais dit que c'était un passage ici. Je l'avais dit. Et bon, bah voilà, bah impeccable. On a réussi ça. On va pouvoir continuer à se diriger du coup. Attendez, c'était par là. Hein. Ouais, par là. Impeccable. Eh ben on a... Ok, on a découvert ce que c'était cette fameuse... Le fameux secret du tertre. C'était chaud quand même, hein. J'ai été pris par surprise. Je pense que j'aurais laissé tout le temps aux autres de sortir. J'aurais été baisé par le nombre. On fait comme ça. Faut les baiser le plus possible. Putain, dès que je sors d'ici, c'est une catastrophe. Allez! Voilà, allez, tu as tes conneries là, allez. Allez! Putain, mais ça lag! Il y a des endroits comme ça où je suis tranquille et d'autres pas. Tiens, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Elle tient quelque chose dans les mains. J'attends. Oui, je vois, c'est ce que je vois. Jetez un œil. De la boisson. Ah, rien d'intéressant. Et les livres, les recettes, on a pris les recettes qu'on voulait. Ok. Dans ce cas, je m'en vais. Moi aussi. Et ben du coup, on va pouvoir aller se reposer et ensuite on va pouvoir repartir. Bah, c'était sympathique, c'était sympa le tertre. J'ai bien aimé. Est-ce que j'ai toujours ma chambre? Méfiez-vous des loups si vous montez au haut de garde. Puissent les dieux veiller sur vous au courant. Présentez, vous venez de me louer une chambre. Ok, donc je l'ai toujours. T'es qui toi? Oui. Ces maudits ours vont me rendre folle. Voilà. Excusez-moi, okay. Monsieur. Voudriez-vous m'écouter jouer du luth? Oui, si oui, la pourquoi musique, pas. Dites-le-moi. Une chanson, oui. Tout de suite, Milord. Nous ne voyons pas beaucoup de visiteurs par ici. Sauf ceux qui se rendent au haut de garde. Allez, respirons un peu. On n'entend pas à cause de la musique. Bon, tant pis. Allez, on se repose. Allez, on a encore du temps devant nous. Ça y est, on a dormi. Vous voyez en pleine forme. J'ai mangé comme un porc. J'ai bu, j'ai mangé. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai la peau du ventre qui est bien tendue. Merci, petit Talos. Ah oui, c'est Talos, hein. Pardon. Non, c'est bon. Putain, mais l'autre, comment elle pousse à la consommation, quoi? Non, mais oh, ça va, quoi. Ça va, Ishi, quoi. Ça va, tranquille, quoi. Non, mais franchement, c'est parce que t'es un petit cul que je te. Ah, non, mais oh, bon, on y va. Allez. Alors, du coup. On est reparti. Alors, on a dit qu'il fallait qu'on aille voilà. C'était pas un bug, c'était pas la caméra qui avait planté. C'est sûr qu'il y en avait qui nous fait. Mais merde, qu'est-ce qui se passe? Il déconne ou quoi là? Il a merdé ou quoi? Il a pas de. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas coupé au montage. Allez, du coup, on continue. Donc on doit aller par là-bas, on est parti. Donc il y a une jolie gazelle qui est par là. Oh, intéressant.
Bon, eh ben écoutez, on est reparti. Est-ce que c'est sur cette route-là? Oui, j'ai l'impression. On va suivre cette route. Ça lag, mon dieu que ça lag. Alors, un truc qui me tue le pin depuis quelques temps, je pense qu'il y en a aussi qui doivent se poser la question, est-ce que Yogin a déjà joué à Skyrim avant? Comme j'ai déjà répété précédemment, oui. J'ai déjà joué à Skyrim, j'ai déjà joué à Oblivion, mais il y a fort longtemps, très longtemps. Au début que Skyrim était sorti, je l'avais acheté. J'avais joué à cette époque-là et j'y jouais plus. J'avais arrêté complètement. Ensuite, la deuxième question qui va sûrement vous venir, c'est que, Yogin, tu sais que sur Skyrim, il y en a un qui a le monopole complet dessus, qui s'appelle Bob Lennon. Est-ce que déjà tu connais Bob Lennon? Est-ce que tu regardes ses vidéos? Oui, je connais Bob Lennon. Et effectivement, je sais qu'il a fait des vidéos sur Skyrim. J'en ai regardé quelques-unes, comme ça, au pif au mètre, surtout la 400. La 400 qui a été arrêtée. Mais je n'ai pas regardé le début de ses vidéos, comment il a commencé, ce qu'il a fait. Voilà, j'ai quoi, 2-3 épisodes que j'ai regardé, mais sans plus. Et donc, je vais réellement en surprise. Donc là, j'ai oublié ce qui s'est passé il y a des années, il y a certains trucs qui me reviennent. Donc des certains effets qu'il y a, comme les pièges, les machins, tout ça. Même, je suis pris certains pièges, et puis avant, et du coup, je me fais attention. Mais sinon... Oh, bordel! Sinon, non, je ne me souviens plus grand-chose du jeu. Donc je suis vraiment reparti en découverte. Et c'est ça le plaisir, et je ne regarderai pas Bob Lennon tout simplement pour éviter de tenter de le copier ou qu'on me traite de plagiat. Voilà, au moins ça c'est mis en place. Vas-y, atterris mon pote, atterris. Et t'es pas un dragon de foudre toi, hein. T'es pas un dragon de foudre. Du coup, allez hop, on va monter vers le haut, comme ça il va pouvoir se poser. Allez. Et pareil, à l'époque, je n'utilisais pas de mod. Je n'utilisais pas les mods, donc du coup, j'ai vu que maintenant, il y avait pas mal de mods qui étaient mis en place par Bohemia, machin, tout ça. Donc c'est ça que j'utilise principalement. Le mod Berserker est dedans, les gars. Après, l'histoire, c'est moi qui l'ai fait. Ce n'est pas une quête que vous suivez. Hein. C'est moi qui ai voulu faire le côté narratif. Alors t'es où, putain de dragon de mes couilles là? Vas-y, amène-toi, allez viens! Viens! Allez viens! Je t'attends! Putain, il s'est pas barré quand même. Par contre, il est en train de m'écarter de mon chemin. Attendez, je me gourre pas. C'est par là que je dois aller de toute façon. Bon bah, s'il revient, on se le fait. Tu suis Ouais, tu suis. Ok. Bon. Faut pas que je tombe. Ah, c'est cool. J'ai pu remplir à nouveau mes gourdes. Hop là! C'est beau ici. C'est magnifique. Nilem. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui vit ici. Le mec qui veut peindre, il se met là, franchement. T'inspire, mon pote. Par contre, il y a une mer ici. Putain, on voit d'aussi loin. Bon, y a pas d'ennemis ici. Oh, hey, y a quelqu'un? Y a quelqu'un ou pas? Oh, je prends. T'es où? T'es là. Encore là. Viens là. Que puis-je faire pour vous? Ah bah, j'ai un beau cadeau pour toi. Regarde. Il est où?
Il est là. Eh, pas beau ça ? Yeah. Que puis-je faire pour vous ? Bonjour. Oui. Mais vous faites quoi ici ? Foutu les chons ou arriver comme ça avec les armes ? Ah, oh, ça me fait bizarre de ne pas me faire attaquer pour une fois. De l'argent, je peux la prendre ou pas ? C'est pas qu'ils disent rien. Ok. Bonjour. Puis-je faire quelque chose pour vous ? Oh, dit comme ça, coquine. non, ça va aller, merci. Merci, merci, merci. Bon, bah sur ce, les gens, je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Et on se donne rendez-vous au prochain. Regardez-moi ça, cette vue. C'est magnifique. Avec les oiseaux qui volent et tout, en plus. Non, c'est pas des oiseaux. J'ai rien dit. Oh, il y a une baraque là-bas.